Dans l'histoire précédente, nous avons vu que la reine Cigogne couvait un œuf. Si tu ne l'as pas vu, cours vite la voir. Une petite playlist a été créée spécialement pour l'occasion. Oh, ma cigogne en pain d'épices, vous avez vu? Il bouge! Oui, c'est fascinant, n'est-il pas? J'avais presque oublié ce que c'était. Je me demande à quoi il va ressembler. Et moi donc? Pensez-vous qu'il s'agira plutôt d'une fille ou d'un garçon? Pour déjà avoir les deux, je préférerais une nouvelle fille. Certes, ça se laisse moins faire, mais au moins c'est plus intelligent. Pour ma part, j'aimerais bien que ce soit un garçon. Ils ne peuvent pas tous être si tête de pioche que votre fils, le chevalier miel de chaussette. Regardez ce que je suis. Si vous le dites... Je suis quand même juge. Mon fils aura plus de chances d'être intelligent. Oh, vous avez raison. Ça pourrait être merveilleux d'avoir un fils intelligent. Ça me changerait la vie. Et comme ça, il pourra être juge à ma suite. Et nous l'appellerons Mignon Junior. Et si c'était d'une fille, quel prénom vous lui donneriez? Princesse Sissi, mais écrit C-I-C-I. Pourquoi C-I-C-I? C-I pour cigogne, car je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle sera aussi belle que vous, ma reine au duvet si voluptueux. Oh, vous alors, vous êtes un grand séducteur. Mais c'est une bonne idée. Regardez, la coquille se fendille. Déjà? Par le dieu chat! Mais rien n'est prêt pour l'accueillir. Vite, juge mignon, allez chercher l'eau chaude et les graines. J'y cours, j'y vole, ma cigogne, au plumage si glorieux. Quel bonheur pour ces deux parents. Si tu es d'accord, cher YouTube spectateur, mets une petite tête de bébé en commentaire. N'oublie pas, comme d'habitude, le pouce en l'air, la cloche et à t'abonner pour ne rien rater.